mérité de bon trophée. T'es premièrement papa chéri JBMP. On a 10 ans sans album, ça fait mal. Ça fait mal, bah, mélomane n'a eu bazar dessus. Certes, pour moi, c'est un single, moi, en décembre avant fin de l'année. Mais au mérité, t'es pendant 10 ans, bah, dans ma beau ami, à aussi 10 ans, à aucun endroit, j'y vais cicater. J'ai bien piano, au mérité trophée dans la tête. Certes, il y aurait des journalistes qui vont remettre un trophée, mais ngai, je ne mérite pas un trophée. Batalate, barata. 4 trophées. Les trophées vont, premièrement, Fally Poupa. Batalate, barata. C'est le scrum au mérité trophée. Donc, c'est le scrum, Babi, ces derniers temps, comme il y a eu Wario numéro 1. Batalate, barata. Tu fais très bien ton boulot, tu mérites mon trophée. Donc, tu as basi. Nandenga télévision fifici wa donc le peuple RTG à l'honneur bon ba mérité pena ba trophée nangai mais Nandenga net ba mérité trophée nangai vraiment exact que parce que je travaille ici mais devoir bon à mérité trophée. Vous qui nous suivez de partout à travers le monde, c'est bel et bien votre humble serviteur, le Neymar de la presse, Jean-Si Kassongo-Biama. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube, Bouanga officielle télévision, toujours dans le cadre de vous informer. Vous avez très bien vous informer, c'est notre devoir. Et nous serons toujours là pour vous informer, pour vous mettre en contact direct avec vos musiciens, vos stars préférés. Et vous savez très bien, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Hein? Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Question pour moi. De parler brièvement de la musique congolaise et surtout de remettre les trophées aux méritants. Hein, vous savez très bien, malgré confinement, malgré coronavirus, mais il y a des missions qui ont bien travaillé. Hein, la mission va travailler vraiment qui toko. Hein, va mériter quand même trophée. Donc, trophée de ma part, bah, on va vraiment aller là. Mais avant ça, avant de démarrer notre émission, je dis comme ça un grand merci à Deborah Bonga. Deborah Bonga, la propriétaire de cette chaîne, Deborah Bonga, acheter sa ligne. Je dis comme ça un grand merci et surtout Bijou Belez, allez, c'est le patron suisse, Mimi Ndome, Mimi Ndome, mon caméraman Ndouzi derrière les caméras. Alors, tout bande d'actualité, non, désolé, caca, la carte d'actualité. On va commencer par la musique congolaise. Nous allons parler de la musique congolaise et puis je vais remettre des trophées aux méritants. Voilà, commençons directement cette émission avec Héritier Watanabe. Héritier Watanabe, vous savez très bien, après Sextape, il y a eu Encre et Salive. L'artiste est Amekiko Yede Bissou, Amisel Bissou, Singh est désolé. Vous savez très bien, Singh est désolé, tout est bien, mais qui toque, parce que Asengi, ma maman, pardon, non, il est qui a un mot, non, mais que tout le monde qui est dans un mot, qui toque, ou bien qui est Héritier Watanabe, désolé, quand qui. Artiste a tiqué Bissou, bonté, l'artiste nous a promis, mi-ange, mi-démon, la fin de l'année, chose dit, chose faite. Donc Héritier Watanabe revient ce 18 décembre avec l'album international, encore l'album le plus entendu, Mi Ange Mi Démon. Obisonio Sotozela qui Mi Ange Mi Démon déjà. C'est 18 décembre, Mi Ange Mi Démon et Zobim. Topé c'est artiste et chance. Tribigé, Aïmbara déjà bien. Avant-hier, Amissi Soda est générique, il y a Mi Ange Mi Démon. Dans le générique, on a Héritier Watanabe. Oh, autrefois, Azaki, moi, Barranqueur, Barranquina, Papa Naïwer ensemble. Héritier Watanabe, dans 4 albums, on est générique. Avant qu'ils soient ensemble, partout on les a vraiment qui tournent, cru on a oh non bien après là-bas, alors c'est un bas fan, bas abonné, bon c'est télévision, bon qui ne veut pas l'album moi non, c'est le Congo qui va gagner. Alors Héritier Watanabe nous a promis ce 18 décembre la sortie mondiale de l'album Mi Ange Mi Démon. Rendez-vous na Bafle donc tous à la wana, tout l'anda bah rumba qui tourne quoi c'est la bisou la musique intelligente, tout l'anda tout paye ses chances donc à ça on a pour la bisou. Le même 18 décembre. L'artiste est le King Fally Poupa Obiso Ongana Linga Benga Elmar. Et puis album international Tokos 2. Vous savez très bien Tokos Izala qui déjà. Et maintenant c'est le tour de Tokos 2. Oh, album déjà Isili. Album déjà Isili. L'artiste nous a promis le 18 décembre. Donc même jour avec Héritier Watanabe Babi, rendez-vous dans Bafle. Hein? Et la journée les canons. Donc pour fêter, nous avons belle tête dans le 18 décembre. Fally Poupa avec Tokos 2. Babi Tokos 2 m'a envoyé ma casse. Il y a eu pas mal de feats.
avec Abetina Nino, chanson de Jésus, ok, Malam Likolo, ils ont bêta déjà par dans la boîte par-ci par-là, dans la fête, Abetina Dajou, Abetina Naza, Abetina Match Pokora. Donc l'artiste est à promettre Bisson Mambagito, donc les 18 déjà rendez-vous dans la fête aux Alarana, de Kafali pour pouvoir promettre Bisson. Vous savez très bien, l'artiste est Azali, l'artiste congolais, Oazou Safir, Téliban Mboka, là, il faut le dire. Il fait très bien sa musique, il représente dignement les Congo, mon pays, les Congo RDC. C'est lui, sans blague, c'est lui le représentant du Congo. Parlons encore d'Inos Bi, vous savez très bien, l'artiste mineur, le Badunfouba Benga Benga, 23 ans, âge à Moukeme, Tala Mikolo. L'artiste Inos Bi, l'homme de Yopé, Yepé, Mambo Ezali toujours à Zopé Samakam tout au long de l'année. Vous savez, abété l'équipe Souba Yopo et Kendex Naba, 120 millions de vies, là il faut bien les préciser, 120 millions de vies avec l'artiste tanzanien. Les gars qui tocent au de Santa qui ont abêté qui a bininé qui tocent au Mambo Ezali, Tigre. Tigre. Gizmawe était pas mal, il y a eu des concerts, il y a eu l'album Epetsunga, Beta qui n'a déjà qui tocent. Ils font très bien leur carrière déjà. Je dis aussi un grand merci à notre artiste de Lemba, il s'appelle encore comment, Gali Garvey, qui fait très bien sa musique. Tous on a vu un feat avec Kofi Olomide et Binse Pekin. Encore, je reviens à Maestro Fabregas, l'artiste qui a été confiné à près de six mois aux États-Unis. L'artiste nous a revenu encore avec une très belle chanson avec son petit frère Inos Bi. Nous avons quitté pour les featuring, qui ont été téléchargés, qui ont été vraiment tant européen, ça m'a tambo. On revient encore à l'artiste parce que tout ça bilan artiste. Moi, on a encore le cabossi, on fait pas mal de musique, bah bien sûr, musique bien, bah on va confirmer, bah il y a qui bisson, on va homme acoustique, fait rigola, c'est sans doute l'artiste. Oui, après ça, il bisson, il est manqué, c'est un confinement parce que tout ça qui isolé, tout fan d'acquis, tout ça isolement à la maison, fait rigola. Ah, monsieur, homme acoustique, on a. Et il y a pas mal de musiciens. Oh, bah si la thème est haut, quand on a ressouté, on peut bêta qui bah homme acoustique. On fait rigoler la mention j'aime. Donc mention j'aime. L'artiste nous promet déjà, c'est 13 déjà. Il y a un single parce que Bisoto Gansagi, artiste a aussi Bisoka Boy. Or que l'artiste fait rigoler la Jésus des Niances nous promet déjà. C'est 13 décembre, bah lui Mambo Ezali. C'est 13 décembre déjà Mambo Ezali. On flashé single moana. Donc il y a un autre fêté, non? Fait rigoler l'artiste Jésus des Niances. Encore un artiste qui fait très bien sa musique, il fait très bien sa musique, je l'ai dit très bien. Je peux dire les protégés de Fanny Poupa, Robin Mundibu. Robin Mundibu, un grand musicien à talent au Sapanate. Il a fait pas mal de choses durant toute l'année 2020. Abeti ma musique inaïe, c'est vrai que le King Fanny Poupa, a même qui a tourné à Bercy, Nandenga à Paris. À Benga qui est, qui est né, qui est né, qui est né, qui est né, avant-hier déjà, nous avons eu un tournoi, donc ce soir, donc on a un petit peu de réseaux sociaux, c'est le Congo qui va gagner. Kofi Olomide, certes, il a perdu sa maman au courant de l'année, Kofi Olomide pas mal, a déjà qu'on s'est produit dans les Tanzaniens, Diamond, a été qui est né, et surtout Bado, danse de l'année, Bado. Les adolescents, vraiment, l'artiste nous promet déjà légende. Bientôt l'album va sortir. Tu dis que demi vont déjà rater. Donc tous en 2021, l'album, vraiment tous légende. L'artiste Kofi Olomide. Où est son nom? Igo de la Forêt. Papa Abimisa, Monsieur Belen en Congo, là faut le dire. Papa Abimisa, ma star. Tout le monde a bawata. Tout le monde a des plis pour Manias, tout le monde a Robino Mundibu, tout le monde a Kabosé, Jésus de Nias, on a la Fabregas Maestro, les Boga, El Bidji. Où est-ce qu'on a? A bêté tout au long de l'année. Formidable, certes, formidable, Bima qui n'attend pas, bientôt confirmé, mais formidable, Betty. Il y a des très belles chansons dans le cadre formidable. Oh, ma certes, il séjourne encore en France. Il m'a passé une abissou, tout qui est là. Tout aimé, Banzemboana, tout partagé, tout téléchargé, Banzemboana, Igbo de la Forêt, qui nous promet déjà un Zénith de Paris l'année prochaine, non? Zénith de Paris, oui, Ranson, on a bien que le roi. Double zénith, c'est Weranson. Donc, tout continue, tout s'abonner, tout s'abonner à la chaîne Nae, tout qui est des Alazala. J'ai bien Piana, papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans le croco. Papa, 10 ans sans album. Tout au long de 10 ans, il y a eu pas mal de musiciens, Abraham, Nonon Fuji très récemment. Pour ne pas promettre un déjà singlement, un match amical, Nonon Fuji. J'ai bien Piana, 10 ans sans album.
Bah mélomane j'ai bien pu en a certes baza toujours on a pour soutenir leader na bongo ya mufube leader a peine même akasi donc j'ai bien pu en a 10 ans sans album 10 ans sans album je vous dis moi on a beau temps aussi 10 ans dis-moi j'ai pas eu pas les souhaiter mais l'artiste nous promet et nous dit ah mais ça nous dit pour moi quoi ah ouais moi single moi et le moi mon qui a pour ils ont c'est sous confiance dans ma mélomane naé donc d'ici fin il y a moi où tu as déjà décembre j'ai bien pu en avant nous lancer une chanson où Robin et Sabiso mais 10 ans sans album ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'artiste? Manque à travail ou encore ils en ont raillé moi c'est fini. J'ai bien pu en a 10 ans sans album. Donc Nabisoukou chroniqueur musical, Tomeka un peu pour le Belango déjà, ils ont pas mal d'actualité. Ils actualité, hein? Ça fait mal. J'ai bien pu en a 10 ans sans album, 10 ans boy boy j'ai bien ma mission goût bazo longo longo na bango, ma mission bazo comme micolo mais dis-moi bien m'arrêter. Shangenge autre fois les protéger de Jibin Pierre Shangenge puis à loin déjà mais les lo Shangenge azan dinga dinga na wera son wera son a pc ba makambu les lo Shangenge ba fuga c'est grâce à wera son merci à wera son parce que au tomboli sous talent où il s'allait les koufa merci à wera son la musique congolaise a eu pas mal de très belles chansons les El Budji les Matadiens les Gianni Pacha tout le monde ba Betaki Betaki ainsi si je peux englober tout ce que je viens de dire hein, je peux dire l'année 2019 ça a été très mal trop mal même je peux dire pour la musique congolaise savait très bien tout ça avec le confinement les artistes étaient à la maison bah répétition il n'y avait plus de répétitions hein, Mambo Isaïe souhaité tout était aux arrêts. Tout le monde a parlé, tout le monde a musique à Kala, et voilà, tout le monde a parlé de musiciens de loin parce que personne n'est sorti, il n'y avait plus d'activité. 2019 était sans doute l'année la plus difficile de la décennie, voilà, si on peut le dire. Animo n'y a pas si, mais quand ça a été musicien, il n'y a pas de musique sur le blog, surtout homme acoustique à faire rigoler. Tout le monde a parlé homme acoustique à faire rigoler, avec Makambo. Oui, ça là que. Bah, y a pas mal de musiciens. Bah, viens d'abord redire Miss Bayo le canto, puis bientôt album Ezali. Oh, Aimbi Pene Ritua, t'en as bien bien, je mets des mots. Abete la kibiso, oh, ma poussique, moi, y a des gars. Arnaque, arnaque, là. Y'a pas Betaki, tout le monde qui bah, kabosse, boulem, bouba Betaki, bah, joue, bah, jaki, bah, Betaki, bah, oh, ma poussique, nabango. Y'a pas mal de musiciens, bah, bête, bah, ma poussique, nabango. C'est grâce à Ferrigola. Ferrigola, bête, ma poussique, moi, en sacanate. Après, y'a moi, y'a Robete, ce soit l'homme, awa, babi, rumba trap. Hein, vous m'attrapez bête que c'est plus ça qui bisso. Fallait pour pas au Ezagi concert après 10 ans concert on a porté à la raté à tout va soli. Hein, l'aigle avait survolé l'Uarena. Fallait pour pas à bête qui bisso l'Uarena. Et ça là qui vous manque tout pour moi la musique ils ont mis sur la porte malgré il y a des échauffourés comme dans le bar en français Kevin. Azami est placé à web service déjà. Ils ont là qui ma bangé bamba ma moto mis tout que zika qui m'a fallu pour pas bête qui concert. Je vous rappelle déjà l'artiste est venu avec force ce 18 décembre déjà avec Tokos D. Hein, Balobi, la musique congolaise en marche, la musique congolaise en marche, la musique la mission des Zala, Kaka JB, 10 ans sans album. Eriti Watanabe déjà, ma solo Ezali, miel de son, déjà Mambo Ezali, Zobi, Sepso, Bloc, Ezali, Bile, 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 Maïso Fabregas, Inos B, Giz, Mawete, Gali Garvey, Bavé, je sais un peu qu'on a Bazo Bunda Bunda, Bavé, Bazo Beta musique, certes âge, mais bon, on peut Bazo Pesa Bama Mouna Bango. C'est là que c'est les Congo qui gagnent, c'est ça la musique congolaise. J'adore la musique congolaise. De bois, bon, acheter Sali, Papi Chili, les potentiels de Montréal, bon voyage déjà. Kevin Bouanga, mal à la tête, Nangai. Donc, je vous salue tout le monde. Il est temps pour moi maintenant de remettre les trophées aux méritants. Hein? Il est temps pour moi de remettre des trophées. Certes, il y a des musiciens qui ont mérité des trophées cette année. Nabi qui a banalisé ça, Malangwe Bele, Batoubi va remettre un trophée dans Bango, mais on va peut-être avoir un droit à faire sa trophée. Nous avons un droit à faire sa trophée, on va mériter. Babi, voilà, il est temps pour moi de remettre aussi des trophées. Il y a eu des missions, on va mériter un trophée. Faut le dire. Ils ont un mission, puis on va mériter aux autres trophées. On peut mériter, non, on va combat. Non, en plus, à 4 personnes, on va mériter aux trophées. Non, pourquoi on va jouer à trophée? Non, non, 4 personnes, on va mériter T. Non, le bango. Il faut le dire. C'est une façon, il y a un lamou, ça va, mission congolais. Parce qu'il y a des missions congolais, il y a un balala qui fait rigoler à Jésus de Nian, ça va être un acoustique. Il y a un mot qui tombe là, il y a un bango. Au monde. Mais c'est bête, mais avec un acoustique, on a un peu de samakibani. Il est temps pour moi de remettre des trophées. Mon trophée, mes trophées, bien sûr, parce que je vais remettre 4 trophées. Les trophées vont. Premièrement, Fali Poupa. Balbatouna, pourquoi n'est-ce pas Fali Poupa combat le bosso? Fali Poupa, pourquoi? Parce que Fali Poupa a fait les poteaux. C'était une chose impossible parce que ça fait ça la décennie. Il n'y avait plus de la musique congolaise, production de la musique congolaise dans Poto Isaïe Souté. Mais Fali Poupa a battu Uarena.
certes, il y a des menaces, mais il fallait pour pas bêta qui a donc il mérite des trophées. Et surtout qu'il fait la fierté de la musique congolaise dans l'Ibanda et en Boka. Là, il faut le dire, tout le monde le sait très bien qu'il fallait pour pas faire la fierté de la musique congolaise. Il mérite les trophées. Mon deuxième trophée va directement chez Ferrigola. Ferrigola, Jésus de Nias, certes mal entouré. Parce que la bonne voie qui karaté. Il est très mal entouré, mais il mérite quand même un trophée parce que Ferrigola, pendant le confinement, Ferrigola, Bethlehem, c'est homme acoustique, on a été tombé à Missé Bélé. Missé Bélé, on a été sauté, homme acoustique. C'est grâce à Ferrigola. Et puis, en inventant qui est Rumbané, Rumba Trap, pas mal. Bétina Kitoko. Le troisième nom, c'est Ritu Watanabe. Ritu Watanabe, malgré la sextape, Ritu Watanabe a mis un sou pour gagner Mité ma maman. Après la chanson Désolé, tu es bien dit, vraiment, ma maman, bien très bien, et surtout à s'esquiser dans Bassi, dans Wassalaki. Tu es bien que ma maman va trouver place dans Mité ma maman, dans l'imbécile, et Ritu Watanabe. Et le dernier, revient au petit Nosbi. C'est un petit, il a fait très bien son boulot, 120 millions, 120 millions de vies, dans le Congo, dans Isalate. Mais c'est une chanson congolaise où il y a Congo, mon côté, ça vient millions de vies. Donc, Inos Bi a été qui ont certes âge, mais talent et Mikolo. Inos Bi mérite vraiment nos louanges, a gagné le trophée Naït. Donc, quand tu as trophée, les autres, peu, c'est un homme qui toque, comme Maestro Fabregas, depuis Pomba et consort, au Bété no bien, mais j'avais plus de choix à remettre quand tu as trophée. Et il est temps pour moi aussi de remettre. Je vais mériter le trophée. Premièrement, papa chéri, j'ai bien pire. On a 10 ans sans album, ça fait mal. Ça fait mal, bah, Méloman n'a pas eu dessus. Certes, pour moi, c'est un single, moi, en décembre, avant fin de l'année. Mais, on mériterait. Pendant 10 ans, j'ai bien pire. On mériterait le trophée. Certes, il y aurait des journalistes qui vont remettre un trophée. Mais, ngai, tu ne mérites pas un trophée. Chez moi, tu ne mérites pas un trophée. Miel de sang. On méritait trophée de parce que au Tchèque m'a quitté les belles fois au Tchèque m'a quitté les belles boy on méritait des brigades Sarbati, on méritait trophée de c'est l'Oscar, on méritait trophée de donc c'est l'Oscar Babi ces derniers temps comme il a eu Wario numéro 1 de la musique congolaise dans les bandes en Boka et une année marquée par l'homme acoustique de Ferrigola Jésus de Nias au EP ça qui peut voir la musique belle Babi ça va m'embouna bango et s'il faut aussi remettre un trophée naba journaliste hein on va mériter peu pour les dicotas mi Bali. Un trophée n'a toujours été là. Mais cette année, c'est Tony Koko Kuntoa. Grand frère, tu fais très bien ton boulot. Donc, trophée n'a pas été méritant. Tu fais très bien ton boulot. Avec professionnalisme, tu fais très bien ton boulot. Tu mérites mon trophée. Dans le cas de la télévision, Fifi. Donc, le groupe RTG à l'honneur. Bon, on va mériter un trophée. Mais en net. Je dois mériter le trophée vraiment, exactement, parce que je travaille ici, mais Deborah Bouang a mérité le trophée. Tout au long de l'année 2020, malgré le confinement, malgré la maladie, on a encore plus besoin, mais on a toujours comme ça, déplacement, okay, pour récolter mes informations pour nous Sabino. Je sais que le trophée est mérité en haut et Kevin, je te salue. J'ai dit comme ça, un grand merci à Papi Tchelu. Ouais, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Kevin qui m'a assisté aujourd'hui. Merci à Deborah Bouanga. Merci à Papi Tchelu, le potentiel de Montréal. Merci à Roméo Ndombi, mon pote basket. Roméo Ndombi, je te salue. J'ai dit comme ça, joyeux anniversaire. Tous ceux qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Alors, retrouvez-moi prochainement sur Bon Officier Télévision. Mambo Zongi. Donc, vous appelez, Bon Officier Télévision, votre chaîne YouTube. La